Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, innovation insolite aux Pays-Bas. Des étudiants néerlandais ont inventé le sac à plantes. Mais dis-moi, Jamy, au fait, c'est quoi un sac à plantes ? Excellente question, Fred. C'est quoi un sac à plantes ? Explication, c'est comme un sac à dos, mais dedans, il y a des plantes. Voilà pourquoi on appelle ça le sac à plantes. D'accord, Jamy ? Mais à quoi ça sert ? Eh bien, le sac va aspirer l'air de l'extérieur, qui va être filtré par les racines des plantes, afin de nettoyer l'air des particules fines, c'est-à-dire la pollution. Et par un système de tuyauterie, cet air est renvoyé à la bouche du porteur. Eh dis donc, Jamy, c'est une invention qui manque pas d'air ? Et pourtant, Fred, c'est fait pour ceux qui manquent d'air. Pékin, par exemple, l'une des villes les plus polluées du monde. Bon, ça suffit le remake de C'est pas sorcier, là ? C'est quand même une invention qui nous vient des Pays-Bas. Ça s'appelle le sac à plantes. Laissez-moi avoir des doutes sur la légalité des plantes qu'on va utiliser. Ça a beau venir de Hollande, ce sera pas des plantes tulipes. Il faut quand même reconnaître que c'est une belle innovation pour la Hollande. Puis pour nous autres Français, c'est quand même la première fois qu'on a dans une phrase Hollande et innovation en même temps. Donc, profitons-en. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.